lac de Grandlieu, et le lac de Grandlieu, c'est une zone Natura 2000. Le lac de Grandlieu ne souffre pas de la présence de l'aéroport. Les oiseaux vivent bien avec les avions. En revanche, si vous, vous allez au bord du lac, vous les faites fuir. Donc le lac de Grandlieu n'a pas de problème avec l'aéroport. Même, on peut dire que l'aéroport protège en quelque sorte le lac, puisqu'il interdit l'urbanisation au sud, notamment à Saint-Aignan-de-Grandlieu. En revanche, du côté de Notre-Dame-des-Landes, cette zone est une zone exceptionnelle au niveau naturel et espèce protégée, ou espèce commune d'ailleurs. C'est un bocage qui n'a pas été détruit, c'est ce que l'on a partout détruit ailleurs, une zone humide, en tête de bassin versant, avec des haies, avec une densité de haies remarquable et énormément d'espèces. Il y a plus d'habitats protégés à Notre-Dame-des-Landes que sur le lac de Grandlieu.